Hello everybody. In this series of videos, I'm going to help you get ready for your TESF, TEOEF, or DAF writing exams. Imagine that you are sitting at the real exam and you'll be given this topic to speak or write. Certaines personnes pensent qu'il est important d'utiliser le temps libre pour des activités qui améliorent l'esprit, comme lire et faire des énigmes. Some people think that it's important to use your leisure time for activities that can improve your mind, like reading or faire des énigmes is like doing the crossword puzzles. D'autres personnes, okay, other people, pensent qu'il est important de reposer l'esprit pendant les loisirs. Other persons think that it's important to relax your mind during your leisure time. So let's write an essay about this subject. Il est généralement admis, it's generally accepted, que nous avons tous besoin de temps libre pour nous remettre du stress de travail et de la vie quotidienne. So it is generally accepted that we all need our leisure times to recover from the stress of work and everyday life. La vie quotidienne is everyday life. So I want to talk about what I think. So I'm using personnellement or personally, je préfère être actif pendant cette période. Okay? I prefer to be active during this period. Car je pense que cela me convient mieux. Because I think that suits me better. Cependant, however, ce que nous faisons de nos loisirs est à nous. Okay? What we do in our leisure time is up to us. Et personne ne peut dire qu'une activité particulière est la meilleure. And nobody can say that a particular activity is the best. Certaines personnes se détendent en regardant des films, en lisant ou en surfant sur Internet. Some people just relax with watching movies, reading or surfing the Internet. Les personnes qui ont des emplois physiquement exigeants, the person that have physically demanding jobs, peuvent choisir ce type d'activité. Can select or choose this type of activities. Si vous êtes infirmière ou maçon, if you are a nurse or a builder, vous pouvez avoir l'impression de ne pas vouloir courir 5 km après le travail. You may not have the impression that you want to run 5 km after your work, car vous êtes déjà physiquement fatigué, because you are already physically tired, so tired. D'autres personnes font un travail très sédentaire. Other people may have sedentary jobs. Les analystes informatiques, par exemple, peuvent passer toute la journée assis devant un écran d'ordinateur. For example, computer analysts can pass all day seated in front of a computer monitor. À la fin de la journée de travail, at the end of the working day, ils peuvent vouloir étirer leurs membres et améliorer leur santé en nageant ou en allant au gymnase. They want to stretch their limbs and improve their health by swimming or going to the gym.
Un autre facteur qui influence notre choix de loisir est l'endroit où nous travaillons. Another factor that influences our choice of leisure activities is where we work. Les personnes qui travaillent à l'intérieur, people who work indoors, préfèrent souvent les loisirs de plein air. Often prefer the outdoor activities. Pour les personnes qui travaillent à l'extérieur, people who work outdoor, l'inverse peut être vrai. The reverse may be true. Je suis moi-même un étudiant, I'm a student, et cela implique beaucoup de séances en cours. And that involves a lot of classes. Donc, je dois sortir au grand air par la suite. I have to go in the fresh air afterwards. So this is the conclusion of our essay. Dans toute situation, l'important est que, in any situation, what is important is that les gens doivent rester en bonne santé en choisissant ce qui leur convient le mieux. People should stay healthy by choosing what is best for them. À mon avis, in my opinion, la seule mauvaise façon de passer du temps libre, the only wrong way of spending your leisure time et d'avoir un travail sédentaire, is to have a sedentary job, puis de rentrer à la maison et de regarder la télévision. And then, when you return home, you just watch TV. Just relax, and I'm sure that you do great at the actual exam. Please leave your comments if you have any questions, and don't forget to subscribe to my channel to be notified about the new videos I upload. Bonne chance.